J'étais quand même 4 coups derrière, donc je me suis pas dit oh, faut que j'aille chercher la victoire absolument. Non, je me suis dit plutôt un top 10, ça serait une bonne performance. Je me suis dit bah j'ai pris trou par trou, ça s'est bien commencé le début de la partie. Moins 4 sur le premier 9, j'étais très content. Je fais eagle au 10, donc ça m'a bien mis dedans. Après, j'ai plutôt sécurisé. J'ai fini à moins 6 total. Donc je ne savais même pas que j'étais leader sur le terrain. Je l'ai appris quand je suis arrivé ici. Après le playoff contre Justin, c'était mon deuxième playoff à vie. Donc je savais à peu près comment aborder ça. J'ai pas très bien joué sur le playoff, j'ai juste fait ce qu'il fallait, j'ai fait deux parts, ça a suffi, donc voilà. J'avais déjà gagné deux fois en tant que junior, j'avais gagné le juvénile, le championnat québécois juvénile en 2018, il me semble, et j'avais gagné l'année dernière le Graham Cook 2021 à Château-Bromont. Donc très content d'avoir gagné ces deux tournois, puis là cette année je suis plus junior, donc que des tournois amateurs. Puis ouais, c'est sûr que gagner un tournoi comme l'Alexandre de Tunis, c'est quelque chose de gros parce que c'est un autre niveau que le junior. Même s'il y a beaucoup de juniors qui viennent jouer ici, il y a quand même des amateurs qui ont un gros niveau. Donc très content. Puis c'est ça, quand on voit les noms qui sont inscrits sur ce trophée, ça fait quelque chose parce que c'est quand même des gros noms comme Julien Seul qui l'avait gagné la dernière fois ici sur ce terrain. Donc non, c'est très content de ce trophée.